Et bonjour à tous et à toutes, Safter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de l'aventure Hearthstone. Alors, dans cet épisode 3, on va continuer à essayer d'acquérir. Eh bien, écoutez, les héros. On va faire peut-être une partie en ligne ou deux, histoire d'avoir le succès là. Donc, je vais voir si. Un de mes abonnés fidèles et qui devient même quasi. Une connaissance. Assez proche, enfin proche. Il me parle assez souvent et c'est vraiment cool. On va voir s'il est dispo pour faire un petit combat avec lui. J'aimerais bien le. Enfin bon, je sais qu'il est très fort donc j'ai peut-être. On en fera hors vidéo peut-être. Parce que sinon il va me laminer hors vidéo, c'est pas le but de vous montrer. Alors on va continuer. Écoutez, à monter ce personnage-là, à essayer d'acquérir, il nous manque 4 héros sur 9, donc on en a 5 déjà, c'est pas mal. Et on est parti. Alors, on va affronter le... J'ai peur d'affronter le gardien une nouvelle fois, mais bon, on est parti, c'est pas grave. Allez, go! Oh, mais ça fait un petit peu bugger, effectivement. Mais c'est parce que c'est un peu des graphismes de fou. Alors, j'espère que le son est bien réglé. Vous me le direz pour le prochain épisode. Alors, donc on commence. Boule de feu, très bien, très bien. Et ça va encore être un truc à pas savoir jouer au tout début, ça. J'espère avoir une petite carte au moins. Ah bah oui, je peux rien faire. Je peux rien faire avec ça, écoutez, il a plus de cartes. Voilà, il a un petit murloc qu'il va instaurer. Enfin, il a un petit murloc, quoi. Alors, pour l'instant, j'ai rien. Par contre, une fois que je vais commencer à avoir beaucoup de trucs, je vais faire mal, je pense. Je pense que je vais faire très mal. Donc là, il a le gain d'armure. Ok, fort bien, fort bien. Oh purée, mais... Fou. Si j'arrive à le placer, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Si j'arrive à placer mon jeu, enfin mon jeu plus. Alors ça c'est quoi? Oula, par contre là il commence à picoter avec ça. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Voilà. Et on va lui enlever son point. Et après, j'attends d'avoir 8, histoire de pouvoir en faire un double. Ah ouais, lui... Ah non. Je pensais que c'était un... Je pensais que c'était une charge directe. Alors, on va essayer de gagner quand même. Ça va être assez dur, mais normalement, il y a moyen. Hein. Hop. Je vais... Du coup, je vais taper ça. Parce que sinon, je vais prendre des dommages. Hop. On va le taper petit à petit. Hein. Voilà. Et... Oh, purée, deux dragons. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre une provocation. Ah, quoi que non, je vais déjà mettre celle-là. Voilà. Je vais mettre ça. Enfin, je vais taper celle-là. Ça fait un en moins. Ah ouais, ben voilà. Et là, il invoque plein de... Voilà. Bon, c'est à moi de jouer maintenant. Ah non. Effectivement, bon, je vais déjà le taper, écoutez. Hop, ça fait très mal. Je vais faire ça. Piocher deux cartes. Voilà, voilà. On va mettre celle-là. Puis j'espère qu'il tapera pas trop celle-là. Après, je vais mettre ma provo. Ah bah non, après, je peux faire une double. S'il me reste. Oh, j'espère qu'il va pas me la tuer. Ah oh, bah si, c'était obligatoire. Deux. Ah bah là, il va m'en tuer. Hein. Non, ça va. Ça va, ok. Bon, bah j'ai pris cher, mais là. Donc 2, 4 et 12. Ça fait cher. Ça fait que je vais le finir normalement.
Hop. Et c'est magnifique, c'est fini. Première victoire de cette vidéo. Première victoire, les amis. Première victoire. Purée, je pensais pas que j'allais le battre. Mais on a eu des très bonnes cartes. Guerrier débloqué. Cliquez pour continuer. Ok, un de plus. Alors, bon, on est reparti. Alors, on va essayer cette fois-ci le chasseur. Lui, il est très dur. Donc, on va voir si on peut le gérer ou pas. Petite transition tranquille. Alors, pour commencer, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Charge. Inflige 3 dégâts à partir de... Enfin, de façon aléatoire. Celui-là, je... Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai dû faire une petite pause, hein, puisque j'ai été dérangé, j'ai dû aider... J'ai dû aider à la maison, effectivement. Alors, c'est à nous de jouer. Il ne joue rien. Logique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que... Je sais pas... Ouais, bah écoutez, on va rien faire, vraiment. Non. On va pas... Ouais, bah je vais faire exactement pareil que lui. Ah, et on a déjà une autre bonne carte. Une provocation. Donc ça, c'est cool. Donc on a une petite provocation, tranquille. Alors là, par contre, ça va faire mal. C'est bon. Ah bah non, il se tue pas. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc ça. Voilà. Les deux sont morts. Et je vais mettre cette carte-là. Une carte en plus pour nous. Afflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Donc ça, c'est cool. On va voir ce qu'il va nous jouer. Hein. Charge. Un point. Il va nous tuer, non? Oh, non, il va nous taper. Charge. Oh là. Deux charges, carrément, lui. Et il peut, ouais, le pouvoir héroïque. Voilà. Donc il m'a fait du 4 points. À nous d'attaquer. On va faire ça directement. On va faire ça et on va faire ça. Ça nous fait. On lui rend l'appareil. Voilà. Invoque un sanglier 1-1. Oh non, il va tuer mon. Ah non, ça va. Tir assuré. Ok. Mais lui, il tape du 2 points de vie quand même à sa petite attaque. Ah, ça c'est cool par contre. Inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Je vais le garder pour plus tard. Je vais juste. Ah, il m'aurait fallu un point de mana en plus. Je vais le garder. On va faire ça. On va faire. On va faire ça. Et donc il y en a un que je vais tuer pour celui-là. Et puis comme ça je peux lui mettre 4 points de dégâts. Voilà, donc là il a plus aucun monstre, il peut juste m'attaquer là-dessus. Inflige 3 points de dégâts à 2 adversaires. Ok, donc il me tue. Vos bêtes. Ok, bon. Un murloc très utile. Alors, je sais pas encore ce que j'ai. Je vais mettre un murloc, je vais tuer celui-là. J'attends juste que le jeu se déploie. Histoire d'avoir. Enfin, j'attends juste d'avoir un petit peu plus de mana, histoire de pouvoir mettre une provocation. De pouvoir mettre une. Ouais. Purée. On va mettre ça comme ça. On va faire ça. On va tuer celui-là. Ce qui est dangereux. Et on va mettre une provocation. Voilà. D'accord.
Il n'y a plus que deux cartes. Ah, il peut me taper alors que j'ai une provocation. C'est bizarre. Mais hey, j'ai une provocation, hein. Je dis ça comme ça, mais voilà, j'ai une petite provocation. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je sais pas, mais... Attends. Alors 5, ça veut dire qu'il reste 3. Si je fais 3 plus 6, ça fait 9. Plus 3... non, j'ai pas assez pour le tuer. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, mais je pense que c'est les attaques directes qu'on peut pas. Et là, je peux lui faire mal. Travail terminé. Bah, je pense que j'ai bien joué. Il me reste... Donc j'ai... Bah, je suis au-dessus de lui un petit peu. Ah mince, il va me tuer. C'est pas grave. Ouf. Oh non. Non, non, non. Ok, il a bien joué. Il a très bien joué. Enfin, c'est l'ordi, donc ça a bien joué. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que... Là, je peux faire 3, 9 et 3. Je peux faire... Je peux faire... pardon, excusez-moi, 3 à 9 et... Je peux faire 12 points de dégâts. Et il lui restera 3. Mais j'aurai plus aucune carte. C'est tendu. Je vais repiocher 2 cartes. Je vais faire ça prochain tour. Ouais, c'est bon. Je fais ça prochain tour, alors. Je vais... le commencer. Je vais le commencer. Et je vais repiocher 2 cartes. Ah, une provocation, ça c'est cool. Nickel. C'est bon. Normalement, si tout va bien et que lui il a pas un autre jeu derrière, bah écoutez, on va gérer. Mais c'est toujours rien parce que ça tombe, il nous sort une de ses cartes. J'espère qu'il n'y a pas de provocation là-dedans. Non, c'est nickel tout ça. Normalement, là, on l'a. Hop. 6. Et... inflige 3 points de dégâts au héros adverse. Bim. 2 victoires d'affilée, les gars. 2 victoires d'affilée, c'est génial. Prochaine récompense, niveau 10. Cool. Alors, un petit chasseur de débloquer. Et gèle tout personnage blessé par le serviteur. 18 cartes. Donc j'ai 18 cartes sur 20. J'aimerais bien avoir les 20. Peut-être pas dans cette vidéo parce que ça va encore prendre un petit temps. Mais bon, voilà. Alors, on va s'attaquer au démoniste. C'est parti. On va voir comment il se débrouille, le démoniste. Polissage des cristaux. Effectivement. Jaina contre Gul'dan. Ok. Alors, ça, je la veux pas. Non, celle-là, je la veux pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va, on a un bon jeu. Enfin, ça va, en tout cas. Et on a une attaque en plus. Ouais, mais j'aurais préféré ne pas commencer. Petite provocation, il commence directement avec une petite provocation. A mon avis, le démoniste, il a pas mal de provocations. On va essayer de passer à travers. Bim. Bon, je peux rien faire sur la provocation, donc... Vous pas craindre bougie. Donc un point, ouais, bon, écoutez, hop. C'est bon, ce qu'on va faire, c'est que... Ça, je vais le garder. Je vais faire ça. Voilà. Et comme ça, le prochain tour, si je veux, je peux attaquer. Là, il peut me faire du 3. Ah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On est déjà devancé, là, c'est pas très bon, tout ça. Alors, il a 4... il a 3 points de vie. Faut tenir un peu, histoire d'avoir 8, on peut faire 12 dégâts. Plus 6 si j'arrive à le placer. Enfin, on peut en faire 18 d'un coup. Enfin, et si je mets les deux attaquants, on peut en faire 20. Mais là, il commence à placer son jeu correctement et ça va commencer à picoter. Voilà, je le savais.
J'ai pas beaucoup de jeux. J'ai pas de quoi faire peur, quoi. Je vais placer un petit. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose sur le terrain. Il va pas me le finir normalement. Un Yeti, une roue. Ah si, il va me le finir. C'est pas grave, il finit son. Ah bah non, même pas. Oh là 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 là, on se fait dépasser là, c'est pas bon. On va mettre celui-là. Et puis on va. Là il a 4, 2. Il a 7. On va finir ça. Voilà. Et puis on va. Ah, j'aurais dû faire venir. Peut-être lui. Mais non, c'était une provocation donc. Il a beaucoup de monstres. Voilà, c'est bon. 25, 18. Ça, il me faut encore quelques tours. Il me faut. Il faut que je change tout ça parce que là, il. 2, 4, 8, 10. Il a 10. Ah, il peut me faire mal là. Ouais, de toute façon, ça sert à rien. Je peux en tuer aucun quasi. Ah, bah voilà, je tue lui. Je vais rester comme ça. Et je vais après. Une fois que j'aurai essayé de tuer celui-là, je vais essayer de placer mon ogre. Oh, mais un golem de guerre aussi. Un truc surpuissant. J'ai pas le choix, provocation. Je vais. C'est 2-7. Utiliser mon mouton. Hop. Et puis, bah. Voilà. Je sais pas quoi faire donc je vais faire ça. Je vais pas commencer à le toucher, ça servira à rien. Là il va finir ma provo. Voilà. Voilà. Alors on a de quoi finir. Donc lui je le finis. Lui je l'attaque. Et voilà, bah c'est bon. On va voir. Hein. Après, si il ne touche pas à mon ogre, j'attaque. Je fais du 18 normalement. Ouf, purée. Ça va être juste un là. Ouh, purée. Oh là 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 là, j'ai pas vu mes points de vie là. Ça va être juste tout ça. C'est gagné 3 victoires consécutives. Oh là 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 là. Écoutez, bah, je suis super content quand même qu'on ait géré. Je pensais perdre, mais j'ai bien fait d'attendre et de pas tout utiliser d'un coup. Donc voilà, je suis content. C'est génial. 3 victoires consécutives. Bah écoutez, j'espère que vous mettrez un petit like pour ça quand même. Et on va avoir dernier combat. On va faire un petit dernier combat pour voir si on arrive à avoir le paladin. Parce que on est bien parti. Un petit dernier combat. Embauche des spectateurs, oui. Hop. Allez, on va voir. Ok. Je combattrai avec honneur. Le combat avec honneur. Oui, oui. Ça, j'hésite. Je vais changer ça. Ouais, ça, comme ça j'aurai un petit
J'aurai de quoi tenir sur le terrain le premier tour. À vous de jouer. J'ai déjà une charge, ça c'est cool. Je vais mettre un murloc. Lui il va mettre un petit murloc aussi, non? Ouais, une provocation, voilà. Et il va. Je sais pas. Oula, 3 points d'attaque, va falloir faire attention. Bah, je vais le tuer avec le murloc, de toute façon. C'est pas. Pas le plus important, voilà. Et je peux déjà lui infliger un point. Parce que je pouvais rien faire d'autre, donc. Après, je vais peut-être mettre ma charge ou attendre, on va voir. Mais je pense que je vais attendre et que je vais juste tuer son truc. Bim. Voilà. Charge. Il va me faire un point de dégâts normalement. Ok. D'accord. Un point de dégâts. J'ai deux moutons. Ouais, j'aimerais bien avoir autre chose. Je vais mettre ça. Il va avoir du mal à me le tuer. Pour le roi. Non. D'accord. D'accord. Bon. J'ai pas une carte là qui permet de bien taper. Je vais faire donc une charge. Hop. J'hésite parce que c'est que 2 points de vie, voilà. Et maintenant je peux juste en tuer un. Bim. Alors maintenant je sais pas ce qu'il va faire, mais bon. Confère bouclier divin à un serviteur. Donc là il est protégé, normal. D'accord. C'est très bizarre comme truc. Oui. Effectivement. Ouf, il va falloir le tuer vite lui. Une petite provocation, je vais pas la mettre tout de suite. C'est pas utile. Voilà, je vais taper lui et je vais le tuer. Voilà. Bon, pour l'instant je domine, mais c'est pas encore... c'est pas sûr. On va voir avec le temps. Comment on va s'en sortir? Tiens, je vais mettre ça. Ça peut lui enlever 2 points. Ah mais non, je voulais lui enlever à lui, mais apparemment pas. Je vais mettre du coup... je vais mettre ça. Quoi vous regardez? Voilà, je pense qu'il va me finir lui. Enfin, j'espère. Ah, mais lui, il a un bon truc. Provocation. Ah, j'espère vraiment qu'il va me finir lui. Ouais, nickel. Comme ça, moi, je peux finir lui. C'est quoi, ça? Inflige 3 points de dégâts au héros. Je vais finir celui-là. Je peux pas taper directement. Je vais faire une provocation. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autre choix. Oui, bah ça, je m'en doute. Voilà, il a 6 points de vie. Normalement, il devrait tenir. Après, je vais mettre ça, Chef Red. Pas mal. Ouf. Non. C'est pas grave. Oh cool, une boule de feu. Alors, 3 et 5. Oui, bon, bah, c'est bon alors. Je vais faire ça. Ils ne s'en relèveront pas. Il va falloir se protéger de ça par contre. Hop. Et bah, je peux déjà attaquer. Boum! 7 points de vie. Normalement, il y a moyen de gagner.
Bim. Ok, là il me focus apparemment. Attention, bah, ça picote un peu quand même. Hop, vos serviteurs. Ouais, je peux pas. Celui-là est à moi. Voilà, bim, et le dernier. Magnifique, 4 victoires consécutives. Et on a nos 9 héros. Cliquez pour continuer. Or obtenu, débloquer tous les héros. Voilà, débloquer un gagnant. Vous venez de débloquer des adversaires de niveau expert. Ouh, ils vont sûrement pas y aller mollo avec vous. Bah écoutez, voilà, on a fini, bah on a fait 4 combats dans cette vidéo, c'est déjà très bien. Et puis bah j'espère que ça vous aura plu ces petites victoires, on a fait aucune défaite dans cette vidéo, donc c'est pas mal. Je vais essayer de faire 4 combats à chaque vidéo pour pas que ce soit trop long et trop court. Et puis bah voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures et on continuera. Donc dans les prochaines aventures, on fera quelques combats en ligne histoire de monter l'XP. J'aimerais bien être niveau 10 et avoir toutes les cartes. Puis après, on créera un deck et je sais pas, mais je pense qu'on peut commencer. Et oui, on fera l'aventure Naxxramas. Donc normal, défi de classe, débloqué en terminant une aile en mode normal, héroïque. C'est quoi donc affreusement amélioré son donjon et se tient prêt pour le deuxième round. Le mode héroïque est très éprouvant pour les nerfs et les conseillers aux âmes sensibles. Les défis de classe, vous pouvez affronter 9 des boss dans un défi de classe spéciale après les avoir vaincus en mode normal. Et les normales, on verra ça dans le prochain épisode. Merci à tous, on va peut-être s'acheter un paquet pour finir si j'ai... Ouais, je vais acheter, ouvrir, des, donc boutique, un paquet, carte, ouais un paquet, acheté pardon, achat effectué, voilà, un paquet expert, j'ai plus vraiment d'or là, et j'ai un, on va ouvrir un paquet, voir ce qu'on va obtenir, hop, c'est parti. Ok, donc javelot de glace, gèle un personnage s'il est déjà gelé, inflige 4 points de dégâts à la place. Mage, ça c'est cool. J'ai un personnage s'il est déjà... ok, vos serviteurs, vos serviteurs coûtent 3 cristaux de plus. Hein? C'est bizarre. Par contre, il a l'air pas mal. Après que vous avez lancé un sort, inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. Ok, bouclier divin, donc oui, et... Chaque fois qu'un secret est joué, gagne plus 1. Je vais sûrement prendre le bouclier divin. Terminé. Parce que c'est utile, franchement, si je veux tenir un tour avec un monstre. Enfin, voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était l'épisode 3, et puis j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, mettez un petit j'aime. Et puis voilà, followez-moi sur Twitter si vous avez envie. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, à très bientôt.